dans un coin complètement perdu, à 20 minutes du plus proche village en voiture. Mais je me suis dit, c'est pas normal, il n'y a aucune explication en fait pour qu'il y ait quelqu'un ici si tard à marcher autour. Et du coup, bah, sur le retour, je me suis dit, il faut que je m'arrête pour lui demander si ça va, parce que, ou même pour l'aider en fait, juste pour l'aider. Parce que bah, c'est pas. Enfin, au moins le ramener à un village, à la civilisation le plus vite possible. Avec moi, on continue ma tournée, et c'est là où il me raconte un peu toute son histoire d'enlèvement avec sa mère, sa grand-mère, ses voyages en Espagne, en France. Et du coup, on essaye aussi de contacter les consulats, les ambassades, on réussit pas, et du coup, à la fin, on appelle la police. J'appelle le 17, je leur explique la situation. Au départ, le gendarme, il hallucine un peu. Hein, d'accord, vous venez de retrouver un garçon qui a disparu 5 ans, etc. Et du coup, je m'arrête à un village. Il me dit qu'il y a une patrouille qui est juste à côté. On les attend 5 minutes, ils arrivent. Du coup, je leur réexplique encore l'histoire. Là, cette fois, on les suit jusqu'à la gendarmerie, jusqu'à ce que ils ont pris ma déposition, mon témoignage. Que sa mère a indiqué qu'elle envisageait de partir avec lui en Finlande, ce jeune a compris qu'il fallait que ce périple s'arrête et il a décidé de quitter l'endroit où il était avec sa mère pour marcher pendant 4 jours et 4 nuits. En réalité, il marchait exclusivement la nuit et dormait le jour entre l'endroit où il était a priori dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à l'endroit où il a été récupéré. Jeune, il a indiqué avoir subi des agressions sexuelles, mais lorsqu'il était petit, pas au cours du périple que j'ai indiqué tout à l'heure. Il a vécu avec sa mère
et son grand-père maternel. Il ne décrit strictement aucune violence physique. Je ne parle pas de violence psychique, mais il ne décrit pas de violence physique de la part de quiconque, ni de sa mère. Une sorte de phobie de la mer avec sur les panneaux solaires. Donc il se transportait de maison en maison avec des panneaux solaires, décidant de ne voyager qu'en covoiturage, pas avec leur propre véhicule, toujours dans des endroits où se trouvent des grandes maisons, où se trouvaient plusieurs familles, toujours à peu près 10 personnes, qui entraient, qui sortaient, qui n'étaient jamais les mêmes. Ce que je décris là, c'est ce qui s'est passé aussi bien au Maroc qu'en Espagne, qu'en France. C'était à chaque fois la même façon de vivre. Le jeune précise qu'il a toujours, enfin, il n'a jamais été enfermé ni séquestré. Il avait la liberté d'aller et venir, mais il était toujours obligé de vivre dans ces conditions-là. I think I speak on behalf of the whole of Greater Manchester Police when I say we are relieved and overjoyed to receive the news from the French authorities that they believe Alex Batty has been found safe and well. It's been 6 years since his disappearance. This is a huge moment for Alex, for his family and for the community in Oldham. On Wednesday, a member of public reported a potential sighting in the Toulouse area of France. The young man identified as Alex and was taken to a French police station. The young man and Alex's grandmother spoke on a video call last night, and whilst she is content that this is indeed Alex, we obviously have further checks to do when he returns to the United Kingdom. No detail of where he's been. There's lots of speculation. We want to speak to Alex. So as part of the investigation, we have a dedicated team working with the French authorities. Clear at the moment the priority is speaking to Alex and think about Alex's safeguarding, Alex's well-being and supporting his family here in Oldham. But obviously his mother is part of that conversation and investigation.